Et hello tout le monde! Nous avons reçu pas mal de demandes à la suite de notre annonce concernant le coworking dans nos locaux. Il y avait quelques demandes qui n'étaient pas vraiment dans ce qu'on recherche, donc on vous l'a dit tout de suite. Et pour les autres, j'ai dit que je vous tenais au courant, et c'est là. On a fait un petit bilan de ce qui avait été demandé, et on a aussi quelques personnes qui sont venues dans les locaux pour visiter et tout ça. Et on a quand même repéré qu'il y avait beaucoup de demandes pour de la photographie. Sauf que vous nous avez dit aussi que l'objectif pour vous n'était pas forcément d'avoir un studio à plein temps, et surtout que c'était pas toujours dans vos moyens. Donc, on a pensé à un truc. Il existe, vous le savez sûrement, des systèmes de location de studio à l'heure, à la demi-journée, à la journée. On aimerait bien mettre ça en place, mais uniquement pour les professionnels et uniquement pour des personnes qui sont déclarées ayant leur propre appareil photo. Ce serait aussi pour un nombre de personnes assez restreint parce qu'on a envie de connaître les personnes avec qui on travaille et surtout parce qu'on n'a pas envie de faire la location à l'heure, on voudrait quand même quelque chose d'un peu plus posé. Si vous êtes photographe en Charente, n'hésitez pas à nous envoyer un mail juste ici. C'est toujours le même, oui. De manière à ce qu'on puisse discuter de vos besoins et de ce qu'on va pouvoir proposer en face. L'idée, c'est de voir un petit peu comment chacune travaille, de manière à adapter, eh bien, par exemple, le temps de location, le montant et toutes ces choses-là. J'espère que ce projet vous plaît et si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser, surtout n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, ce sera avec grand plaisir. J'oubliais, moi c'est Camille, gérante du magasin Chrysalide Tattoo à Angoulême. Salut !